Politique est présente, les pays pourront convenir à Copenhague d'un accord juste, global, équitable, qui prenne en compte des données scientifiques actuelles pour une réponse efficace au problème de réchauffement de la planète. Voilà l'idée qui sous-tend la rencontre au sommet de New York. C'est pourquoi, en ouvrant les travaux de cette 64e session, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré qu'un échec à Copenhague serait moralement inexcusable et qu'il est temps d'agir. Il a qualifié de glacial le rythme auquel se déroulent actuellement les négociations sur un éventuel accord à Copenhague. Pour sa toute première apparition aux Nations Unies, le président des États-Unis, Barack Obama, a estimé que cet accord ne devait pas se contenter de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il devrait aussi permettre à tous les pays, y compris les nations les plus vulnérables, d'assurer leur propre développement durable. Le président américain, dont le pays reste l'un des plus grands pollueurs au monde, a indiqué que son administration s'était fixé des objectifs ambitieux de limitation des émissions de gaz à effet de serre à l'orée des années 2020 et 2050. Comme on peut le constater, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'enjeu d'une négociation dépasse le sort d'un pays, d'une région et d'un continent. Des feux qui ravagent la Californie, à la sécheresse qui affecte l'Afrique, en passant par les neiges fondantes ou les inondations, les conséquences des changements climatiques se font chaque jour un peu plus présentes. Ces menaces contre la paix mondiale constituent le défi de notre temps. Il devient impérieux d'agir ensemble dans le cadre d'un accord global. C'est la leçon à retenir de ce sommet de New York.